Hello, c'est Dog et c'est parti pour un nouvel épisode de The Witcher 2 Assassin of Kings. Et j'ai réussi comment on appelle ça? J'ai réussi à trouver le mot de passe, je crois en tout cas, sans lequel dès que j'ai fait différents codes et ça a fini par marcher. Et ça m'a ouvert un portail que normalement seules les sorcières arrivent à créer. Et en ayant balancé tous ces mots à la con, j'ai réussi à ouvrir ce portail, donc on va peut-être rentrer dedans, je sais pas, on verra bien. Alors ça s'appelle... Attends. Journal. Ça s'appelle... Voilà. Souvenir de je sais pas quoi. Traverser le portail magique. Et souvenir des siècles passés. Magicien en ligne, bravo. Avait expliqué à Gérald... Bon, putain, j'ai... Gérald prononça correctement les mots de passe inscrits sur un... Les sentinelles de Vran fit apparaître le portail magique puis disparu. Ah, j'ai intérêt à me presser. Attends, je vérifie. Ça c'est terminé. Contre nous c'est terminé. Bon, forcément, souvenir du passé, ok. Assassin du roi. On s'en fout. Revient mystère, on s'en fout. Souvenir du passé, voilà. Attends, Gérald dut explorer le souterrain hein, pour trouver. Attends. Trouvez un magicien fleuron et faites-vous forger. Ah oui, mais j'ai pas tous les ingrédients. Comme je dis, au nom de Temaria, manuscrit scripté, ça c'est mort. Jeu de poker, je vais le faire, hors vidéo, hors enregistrement. Et les runes mystérieuses, bon, rivière mystérieuse, ben, pour l'instant je peux pas, je n'ai pas les ingrédients, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Je suis tout nu. Alors dire que j'avais de l'argent, j'avais 2008 taurins, et là maintenant, j'ai plus rien. C'est pas grave. J'espère que je serai assez fort. Si je peux pas récupérer tous les objets et si je n'ai pas, si je ne peux pas récupérer tout l'argent, ce qui m'étonnerait, que ça m'étonnerait que je puisse récupérer autant d'argent dans cette zone, ben je continuerai l'aventure, tant pis. Hein. Sans récupérer l'armure, l'armure ultime. Vous savez que j'aurais fait tout ça pour rien finalement. Donc voilà. Mais on va quand même accéder au siècle, aux souvenirs des siècles passés. On verra ce que ça donne. Donc. C'est partout. Utiliser le fo... quoi? Utiliser le foyer pour ouvrir la porte. Le foyer? Lumière. Ouais. Oh. Attends, 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 qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux ouvrir la porte? J'ai fait une connerie là, non? Et là? Non. Voilà, ça va être encore des énigmes bien à la con là. Donc moi qui pensais que j'avais fait le plus dur là et je me rends compte que... Ah, non, 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 calme-toi, je plaisante. J'ai pas fait tout ça pour revenir en arrière, quoi. En tout cas pas pour l'instant. Va falloir que j'allume les flammes dans un ordre précis, c'est ça? Alors que toutes les flammes soient allumées. À chaque fois que j'en allume une, il y en a une autre qui s'éteint. Attends, je peux l'éteindre? Hein? C'est pas ce que je voulais faire. Attends, putain, fais chier. Si j'en éteins une... Voilà, celle-là s'allume. Si je la rallume... Celle-là s'éteint. Attends. Si j'éteins celle-là, celle-là s'allume et celle-là s'éteint. Si j'allume celle-là, il n'y en a qu'une seule qui s'éteint.
Ah oui, il y en a deux qui s'éteignent. Quand j'en obtiens une, il y en a deux qui s'éteignent. Je vais tester. Hein? C'est laquelle qui s'est éteinte? C'est celle-là? Si j'éteins celle-là, qu'est-ce qui se passe? Bah, attends. Il y en a une qui s'allume. Décidément. Oh, il y en a deux qui s'éteignent. Putain. Wow. Elle les a toutes éteintes. Qu'est-ce qu'il me fait là? Dépêche là! Je me dis pas que ça va être comme ça tout le temps, hein, parce que ça risque d'être chiant quoi. Bon, je sauvegarde encore une fois. Entrer dans la porte ouverte. Bah oui, j'entre dans la porte ouverte. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas encore une... Sois le bienvenu, génie. Qui êtes-vous? Les anciens ont confié à mon âme la tâche de manipuler leurs meilleurs artefacts pour récompenser les élus. Je ne suis pas un élu. Et que fait exactement cet artefact? Que fait exactement cet artefact? Grâce à lui, je suis en mesure, jusqu'à un certain point, de réparer les erreurs passées et d'étendre les capacités de l'élu de sorte qu'elles correspondent mieux à son imagination. Souvenez-vous toutefois, tout dans la nature a son prix. Il est différent pour chacun. Êtes-vous prêt? Comment ça, changer? Je vais l'utiliser moi-même. Comment ça, l'utiliser moi-même? Je pense que, dans mes mains, cet artefact sera plus utile. Avare, aveugle, vous allez mourir, imbécile. Bravo. Oh, déjà? À affronter ou pas? On se barre. Ouais, j'ai de la place pour éviter ces attaques. Commence à être de plus en plus dangereux ou pas? Non, je dirais pas pour l'instant. Par contre, il est long à affronter, putain. J'aimerais me barrer, merci. Où est-ce qu'il est passé? Ailleurs. Quoi? Allez. Ah ouais, d'accord. Je me disais, ça devait, ça,
C'était un peu trop facile. Ok. Au début, je me suis laissé quand même faire. Ouais, bizarre tout ça. C'est pas noté sur la soluce. Bon, j'ai l'impression que c'est pour modifier. Alors j'espère pas. Hein. C'est pour modifier ce qu'on a fait dans le passé, dans The Witcher 1. Mais ça se trouve, c'est peut-être pas du tout ça. Hein. Parce qu'il y a quasiment rien, aucun impact avec The Witcher 1. Donc The Witcher 2 n'a, ou The Witcher 1 n'a aucun impact, quasiment aucun impact sur The Witcher, sur l'histoire de The Witcher 1, The Witcher 2 pardon. Donc ça me paraît bizarre, mais là, je me frette avec tu, mais je vais voir ce que ça donne qu'on accepte gentiment, histoire de voir. Mais tout ça me paraît bien étrange, bien entendu. Tout ça me paraît mystérieux, étrange. Ça fait peur. On est désorienté, on ne comprend pas ce qui se passe. On aimerait comprendre. Pourquoi toutes ces cachotteries? En plus, il y a une quête que je peux même pas terminer. Je me souviens pas que. Ah. On y est. Je m'attaque direct contre lui ou je discute avant? Oh, cool. Qui est... Je ne suis pas un élu. Dans ce cas, vous n'êtes qu'un simple intrus et serez puni en conséquence. Ah d'accord. Vous allez mourir. Ah d'accord. Ah, il est comme ça, lui. J'ai pris quelle épée, là? Merde. Oh le con. Merde, fais chier. Qu'est-ce que t'es laid. Oh putain. Ouais, vas-y, laisse tomber, je suis pas assez fort. Avec toutes ces gargouilles, ça va pas le faire là. Laisse béton. J'arrête, j'en ai marre de me battre contre lui. Ouais, je vais finir le jeu, moi. Arrêtez les conneries. Hein. Donc, on va dire oui monsieur, merci monsieur. Et voilà. Avec ces putains de gargouilles, il est beaucoup trop fort. Ouais, on y va. Sois le qui est. Que fait grâce à lui. Quoi? Ah. Oh, c'est ça. Oh, c'était juste pour ça. Bon, ça pue du cul. Vas-y, dégage. Ouvrez l'écran de développement. Je me suis fait chier juste pour ça. Bon allez, salut. La quête est terminée. On va pas servir à grand chose. Quête terminée. Ouais bon. Allez, salut, au revoir. Là, je me suis fait chier juste pour ça, quoi. Ah, je peux passer maintenant? Non. Bah. D'accord. En fait, c'est pas le putréfacteur qui me bloquait la route. En fait, je pouvais tout simplement pas passer.
C'est bizarre. Vous ne pouvez pas ouvrir cette porte. Il y a peut-être un autre endroit, peut-être, je sais pas. Ah non, là c'est bloqué. C'est mort pour passer par ici. Donc je suis bloqué, c'est foutu. Ok. Bon ben j'ai bien perdu mon temps moi. Alors manuscrit scripté. Crypté putain, oh là là. Manuscrit crypté. Alors, nom de Témérien. Au nom de Témérien, on s'en bat les steaks, on s'en fout. Manuscrit crypté, c'est foutu. J'ai pas les ingrédients. Ah ouais. C'est tout. Et puis la rivière mystérieuse, ben j'ai pas non plus ce qu'il me faut pour la rivière mystérieuse. Derrière, hein. Dans l'entrée et se trouve près des intentions. Hein. Vous trouverez en effet la porte menant à côté des mains. Descendez en contrebas et commencez à avancer dans les goûts. Vous affronterez plusieurs charognards et un avant de trouver au fond du couloir, juste à côté de la porte de un coffre. Vous pouvez ouvrir avec la clé récupérée. Vous pourrez ainsi forger auprès du marchand, car vous trouverez dans le coffre, outre des éléments nécessaires au schéma, allez voir le marchand pour confectionner cette armure qui est nécessaire. Un certain nombre d'ingrédients qui se trouvent dans le coffre. Une amélioration que vous trouverez également dans le coffre. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas, putain. 4 morceaux de trucs cloutés. 6 tissus. Et 2000 heures. Vous disposez ainsi de l'armure de qui est probablement la plus solide du jeu. Une fois cette armure conçue, cette conquête est définitivement terminée. Putain, mais j'ai pas ça, putain. C'est ça qui m'énerve, je l'ai pas. Gérald utilisa donc l'artefact qui, vous pouvez me croire, cet événement transforma littéralement le sorceleur. Prêt comme il ne l'avait jamais été, il partit accomplir ce pourquoi il était venu. Ah donc. Ah bon? T'es sûr? J'ai rien fait du tout. D'ailleurs, je vais vérifier si... Mais ça a tout enlevé. Ça a enlevé tout mon truc, quoi. Tout ce que j'avais mis, ça a tout enlevé. Putain de merde, je suis à poil, en fait. Je dois tout réinstaller, quoi. Il casse les couilles. Bon, non. Ouais, ouais. Super génial. J'ai fait la flemme de me battre contre lui donc. C'est quoi déjà ça? On va le prendre. Permet de renvoyer les flèches. Bon, je m'en fous de ça, hein, putain. Comme je l'ai déjà dit, j'en ai rien à carrer. Dégâts infligés aux... Oh, je m'en fous des bombes. Durée des potions, plus 10. Ça, c'est bien, ça. Ingrédients alchimiques récoltés. Durée des huiles. Effet de toute potion intégrée plus 15. Effet négatif de toutes les potions intégrées plus 30. Durée des huiles plus 10. Voilà, je me suis excité là. J'avais rien fait de ce côté-là et maintenant je commence à tout améliorer de ce côté-là.
Réduction des dégâts subis dans le dos. Permet de contrer les coups d'un adversaire. Parcouru. C'est quoi ça? Dégâts à l'épée plus 5. Merde. Merde. Oh putain. Attends, attends, c'est quoi ça? Réduction des dégâts. D'accord? Et ça c'est quoi? Putain. Probabilité de mort instantanée plus de... Putain! Ah voilà. Quantité de vigueur requise pour bloquer les coups reçus. Réduction des dégâts, d'accord. Vitesse de regain de vigueur. Quantité de vigueur requise pour bloquer les coups reçus. Bon ben, j'ai plus rien maintenant. Distance parcourue. En fait j'avais tout ça là, mais j'ai plus. On verra bien. Voilà. Finalement, j'ai rien amélioré de ce côté-là, finalement. J'aimerais récupérer cette putain d'armure, mais il me manque des trucs. Soi-disant, j'ai récupéré des trucs dans les coffres, mais j'ai rien récupéré du tout. Enfin, j'ai récupéré des trucs dans les coffres, mais c'est pas... Bah non, y a rien. J'ai tout récupéré ce qu'il y avait dans les coffres. Donc, je ne comprends pas. De toute façon, j'ai pas les 2000, donc... ça va pas pouvoir le faire, donc... Ça m'étonnerait qu'en jouant au poker D, j'arriverais à récupérer la thune. Hein. Ça m'étonnerait. Mais, je crois que je vais... Je crois que c'est ce que je vais faire. Mais je veux pas juste jouer au poker dé avec... avec 2-3 types, hein. Je veux jouer au poker dé avec le plus de... Quoi que vous... Le plus de monde possible. Enfin, j'ai pas vu beaucoup de monde jouer au... J'ai pas vu une tonne de monde vouloir jouer au poker dé. Personnellement, j'en ai pas vu des masses dans cet endroit. Donc ici c'est mort. Foutez le camp. Il est interdit d'entrer dans le camp quédouanien. Je peux pas passer par ici. De toute façon j'ai plus rien à foutre ici. Ah tiens, jouons au dé. Revenez pour une partie de dés, un de ces jours. Ouais, t'inquiète pas, je... Tiens, je peux pas sauvegarder. Là, je peux. Attends, reste là. On va jouer au dés maintenant. Une partie de dés? Vous ne faites pas le poids. Battez ces mages, et je vous affronterai, peut-être. Parfait, ça me dit où ils sont. Où ils sont situés. Donc on y va. Donc j'y vais. Putain le con. La con.
combien de minutes là? Ok, ça va. Putain, maintenant en plus il fait nuit. D'accord. Mais non, ici c'est les égouts, putain. En fait, je vois où c'est, mais je sais pas comment. Purée, c'est vraiment des endroits à la con, franchement. Alors c'est peut-être, je suis peut-être mauvais angle, je suis peut-être, mais je galère vraiment, putain. Il y en a un juste là. Comment ça se fait que j'arrive pas à y accéder? En plus il fait nuit, putain, je vois rien, ça me saoule. Peste. Je peux descendre, merci. Merde, mange ton épée. Ah, j'ai enfin trouvé. Allez, moi je vais aider avec eux. Une petite partie ? Tous mes dés sont différents. Putain, tous mes dés sont différents, quoi. Ça sert à rien. C'est quoi ce bordel? Ah d'accord, je vois même plus le... Je les relance tous. Hein. Oh ouais, super. Ah oui, j'ai perdu forcément. Vous avez perdu. J'aurai ma revanche. Il est vachement motivé le mec.